Ça s'en vient. On débute? On débute le cours? Oui, on peut débuter. On peut débuter? OK. Est-ce que c'est suffisamment fort au fond? Oui? Tu m'entends? OK. Je vais essayer de voir si je peux monter le son un petit peu. Donc, on poursuit nos efforts à notre discussion avec les piles. Cette fois-ci, j'ai amené mes outils didactiques avec moi. Comme ça, ça va être plus clair. Je suis sûr que ça aide à la compréhension du sujet. OK, donc, on est vraiment dans la période du cours où les concepts de Java, on les a vus. L'orienté objet, les interfaces, les génériques. C'est les outils qu'on a besoin pour programmer des choses intéressantes. Les choses intéressantes qu'on va programmer maintenant, c'est des piles. Un concept qu'on a vu qui, peut-être sans le savoir, vous avez utilisé des piles à profusion dans vos navigateurs, les boutons qui permettent d'avancer et de reculer dans l'historique des pages, les opérations pour défaire certaines étapes d'édition, des choses comme ça. Il y a des piles derrière tout ça. Donc, les piles, c'est des structures de données qui sont linéaires. Puis, comme je le disais, ça va pas mal mieux si on utilise des objets didactiques pour en parler. Donc, j'en ai 10 avec moi. J'ai besoin d'en avoir 10 à la fin du cours. Il y a une année où j'en ai perdu une. Je ne sais pas si c'est un hasard. L'examen intra était tellement difficile cette année-là. Donc, je suis prêt à les partager avec vous. Donc. Disons qu'on en a. On en fait circuler. Une là. Je vais aller chercher mes autres. Là. Je vais essayer de faire ça rapidement. OK. Peut-être une pile ici, une pile là, une pile par là. Tiens, Hervé. Une pile ici. Là, je vais passer derrière. OK. Une pile par ici, une pile par là, puis une ici. Tiens, on va commencer par l'avant. OK. Donc, les piles sont des... Est-ce que j'ai donné ma... Ah non, OK. Celle-là, c'est à moi. Je ne la partage pas, celle-là. Kermit, c'est le mien. Donc, une structure de données qui est linéaire. Linéaire dans quel sens? Dans le sens où si on était en mesure de regarder à l'intérieur de la structure de données, on s'aperçoit que chacun des éléments, donc les choses à l'intérieur, on appelle ça des éléments, chacun des éléments a un élément en dessus de lui et un élément en dessous. Évidemment, sauf si on est l'élément du dessous ou l'élément du dessus. La pile, c'est une structure de données qu'on peut accéder par une seule extrémité. Okay? Donc, il y a vraiment... Je ne peux pas accéder aux éléments qui sont aux positions intermédiaires. Je dois utiliser l'une des opérations qui sont disponibles pour accéder au contenu. Si on met l'ordinateur sur l'écran, on va bien voir les opérations. Donc, il y a une opération qui s'appelle peak. Alors, peak, je peux regarder, je dis « Ah, c'est un jaune, j'aime pas les jaunes. » Il n'est pas retiré de la pile. J'ai simplement consulté la valeur, puis j'ai pris une décision. Dans ce cas-ci, je ne mange pas de bonbons. Il y a une opération qui s'appelle « pop ». « Pop » me permet de retirer un élément, un seul à la fois, c'est celui du « déçu ». Une fois qu'il est retiré, il n'est plus dans la pile. On peut faire une opération avec l'élément. On peut faire un autre « pop ». Voici un autre élément. Alors, on fait un traitement quelconque avec l'élément du dessus.
Encore une fois, une opération. Je ne vais pas me rendre jusqu'à ce que la pile soit vide. Je vais être malade. Si on vous remet le virement de la pile... Oui, c'est ça. Donc là, je viens de faire une opération POP. Il existe une opération qui s'appelle PUSH. PUSH me permet de remettre un élément et il est sur le dessus de la pile. Il y a une opération qui s'appelle IsEmpty, permet de consulter est-ce qu'il y a des éléments dans la pile ou pas. Dans ce cas-ci, elle n'est pas vide. Je peux donc faire une opération POP. Une fois que j'ai l'élément, bien, il faut que je fasse de quoi? Si vous regardez bien l'interface, vous voyez que il n'y a pas une méthode qui me permet de savoir combien il y a d'éléments dans la pile. C'est généralement vrai. Quand on a des algorithmes pour travailler avec des piles, on ne sait pas combien il y a d'éléments dans la pile. Le traitement est du genre, tant qu'il y a des éléments dans cette pile, faire un travail. Ou tant qu'une condition n'est pas vraie, retirer des éléments. Quand une condition est vraie, stop, possiblement repousser, ajouter des éléments sur cette pile-là. Vraiment, ce qui est important, puis la question était survenue au dernier cours, c'est une question tout à fait naturelle. Mais si tout à l'heure, on va l'implémenter à l'aide d'un tableau, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des tableaux? C'est vraiment cette idée de séparation claire des problèmes. Il y a plein d'algorithmes, entre autres les algorithmes pour faire l'analyse d'expressions arithmétiques, ce qu'on va voir soit à la fin du cours aujourd'hui ou au prochain cours, les algorithmes pour l'exécution de vos programmes Java ont besoin d'une pile. Quand on utilise la pile, on ne se préoccupe pas de son implémentation. On est du côté résolution de problèmes, on utilise la pile. Vous allez voir qu'un autre concept qui est assez particulier et important des piles, c'est que, en principe, leur capacité est virtuellement infinie, c'est-à-dire qu'elle dépend de la capacité de l'ordinateur. Si j'ai un très grand ordinateur avec une très grande capacité de mémoire, je devrais être en mesure d'ajouter des éléments sans que cette pile-là devienne pleine. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas une méthode qui s'appelle isFull. Donc, on s'attend à ce que il est toujours possible d'ajouter des éléments dans cette pile-là. OK, donc je vous invite à expérimenter, parce que je sais que c'est un concept très abstrait, fait que vous pouvez jouer avec les piles qu'on a. Oui? OK, vous avez la beaucoup passé, vous avez dit que les piles, les pages web, on utilise des piles. Pardon? Au niveau du web, on utilise des piles. Pas, je ne dirais pas du web, au niveau du client ou au niveau du navigateur. Oui. Pour pouvoir. Oui. Mais si, lorsqu'on le part, on a comme ça qui le compte. Ça veut dire qu'on utilise donc deux piles. Je mets l'adresse d'une première page dans mon navigateur, il charge la page. Je clique sur un lien, je prends l'adresse de cette page-là, je la mets sur la pile arrière. Il a maintenant chargé cette page-ci. Je lis la page, il y a un lien qui m'intéresse, je clique. L'adresse courante, je la mets sur le dessus. J'ai la vieille, j'ai la nouvelle, j'ai une page ici. Il y a un troisième lien qui m'intéresse, je clique, je prends l'adresse, je dépose sur la pile, j'ai maintenant trois trucs. J'ai amené la page ici. Je veux maintenant faire un retour arrière. Je voudrais me garder la possibilité de retourner vers le futur. Donc, la page courante, je vais son adresse, je la mets sur une pile avant. Je prends l'adresse qui est sur le dessus de la pile, je la retire, je mets ça dans le navigateur. J'avais trois trucs, il y a deux trucs. Il y en a un vers l'avant. Je pèse sur le bouton arrière à nouveau, je prends l'élément du dessus, je veux me souvenir de celui qui est présentement dans le navigateur. Dépose sur la pile avant, il y a deux éléments là, il y en a un là, j'ai chargé une page là. Je veux retourner vers l'avant, bien, je fais l'inverse. Je prends ce qui est présentement ici, ça va sur arrière, je prends d'avant, j'amène ça ici.
Il y a encore un élément ici. Je peux donc appliquer sur « avant » une fois de plus. Je charge cette page-là. Je mets celle-ci vers la pile arrière, de sorte que je pourrais faire des retours vers l'arrière. Celle-ci est maintenant vide. Normalement, votre navigateur devrait afficher en grisé le bouton « avant ». Il est impossible d'aller vers l'avant. Mais celui pour aller vers l'arrière est disponible. C'est bon? Oui. Je sais pas. On pourrait essayer, mais j'essaie de voir là. Ça dépend vraiment de l'implémentateur, de la personne, du développeur qui a créé ça là. Mais effectivement, moi, je supprimerais, je viderais le contenu de la pile avant parce que ça fait plus partie de l'historique qu'on avait de se balader de l'avant à l'arrière. Mais ça, c'est une question d'implémentation, je pense. OK. Oui. Oui. Peek fait simplement... Peek, ça veut dire regarder. Donc, on regarde, on peut voir l'élément du dessus, mais on ne le retire pas. Et pop. Push, on le remet. Push, on en dépose un. Pop, on le retire. Peek, on le regarde. Effectivement, il faut toujours s'assurer que la pile n'est pas vide avant de consulter son contenu. Sinon, on aura une exception. OK? Il y aura une erreur. OK, donc on a vu, c'est linéaire, il y a des opérations push-pop. On appelle ça un type abstrait de données parce que quand on l'utilise, on ne devrait pas se préoccuper de l'implémentation. Bien sûr, il va y avoir une implémentation, c'est clair que ça prend une implémentation. Mais quand on utilise, on oublie tout ça. C'est ça l'idée des séparations claires de problèmes. Ça facilite la réflexion, ça facilite la résolution de problèmes si on sépare ces choses-là dans notre tête. OK, donc on a déjà son interface ici. J'utilise les génériques de sorte qu'une pile, on pourra y déposer des entiers, des chaînes, des objets personnes, des objets dates, formes géométriques, tout ce qu'on veut. C'est la beauté des génériques. On va voir dans le cours trois implémentations, deux qui sont à base de tableaux et une qui est à base d'une technique qu'on va appeler les structures chaînées. Les structures chaînées, c'est vraiment la clé en informatique pour créer des graphes, des arbres, des structures de données hyper efficaces dans lesquelles on va mettre jusqu'à des petabytes d'informations, puis l'accès aux éléments va être hyper rapide. OK. Je vous montre une petite application, mais vraiment petite, des piles, pour dire quelque chose d'évident. Puis après, on va implémenter ça ensemble. OK, donc, ici, on a l'idée que on peut utiliser une pile sans en connaître l'implémentation. J'essaie toujours de commencer par une utilisation pour que ce soit clair comment on utilise, comment on n'a pas à se préoccuper de l'implémentation pour l'utiliser. J'ai une petite classe que j'appelle mystère. J'ai une méthode principale. J'ai une référence de type pile, stack. Une pile dans laquelle on peut sauvegarder des entiers. Je crée un objet pile. Je lui ai donné un nom assez vague ici pour qu'on s'attarde à son implémentation. Ici, je passe à travers les éléments qui ont été remis sur la ligne de commande, puis je les ajoute à la pile un à un. Donc, dans ce cas-ci, il y a l'élément 0, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 éléments sur la ligne de commande. Je les ajoute dans l'ordre qui sont présentés. Puis ensuite,
on a un idiome, on a une façon classique d'utiliser les piles. Tant que la pile n'est pas vide, faire quelque chose. While not stack empty, retire l'élément puis affiche. J'exécute ce programme-là. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Qu'est-ce que c'est? Oui. Pardon? c'est difficile de les dire à l'envers. E-D-C-B-A. Donc, on a renversé l'ordre des éléments. C'est ce qu'une pile fait, tout simplement. Ça, avec les pages qu'on avait visitées dans le navigateur, c'était normal. On s'attend que, à mesure qu'on visite des pages, on mémorise leurs adresses sur une pile. Quand on veut faire un retour vers l'arrière, c'est la dernière page qui était dans le furteur qu'on veut replacer dans le furteur. OK? Donc, ça renverse l'ordre des éléments. C'est ce qu'on aime. Quand on va évaluer des expressions arithmétiques, c'est la propriété qu'on va souhaiter utiliser des piles. Oui? Ici, j'ai donc utilisé un type générique et je demande l'aide du compilateur. Je lui dis, regarde-moi dans mon code, ma vision des choses est, je veux utiliser une pile et je veux y sauvegarder seulement des objets chaîne. Si j'essaie de faire quelque chose d'autre que ça, tu me tapes sur la main, tu me dis, bad Marcel, t'as fait une connerie. C'est la beauté des génériques, c'est qu'il va détecter ces erreurs-là dans nos programmes. Oui? C'est bon? OK. Alors, on va implémenter la pile. J'aime toujours avoir un test qui traîne autour, donc... New public class test, comme ça. Save, mettre ça sur le bureau. Test.java. Parfait. Public static void main string args, comme ça. On va se garder ça autour. Puisque stack existe déjà, l'interface. Donc, celle-ci, tiens, ça pourrait être pour des entiers, integer, s, je peux faire ça. On a besoin d'un terminal. On va aller sur le desktop. S'assurer que c'est assez gros. OK, Java C, stack, ça compile. Java C, mon test. Ça compile. Est-ce que je peux écrire S égale new stack? Est-ce que je peux faire ça? Ah oui? Stack est une interface, comme ça. OK. Stack is abstract. On ne peut pas créer un objet de quelque chose qui est abstract. L'interface est là comme contrat pour dire, OK, il peut y avoir des classes qui implémentent ça, mais stack, ce n'est pas une classe. On ne peut pas créer d'objet à partir de ça. OK. Fait qu'il faut qu'on trouve quelque chose à mettre là-dedans. Donc, je pense que c'est assez évident qu'on peut créer une implémentation avec ou dans laquelle on va utiliser des tableaux. On va trouver une autre stratégie plus tard qui va être, à mon sens, un peu plus intéressante, mais on va commencer avec une implémentation, donc classe,
Array, stack. C'est une pile pour quoi? Ben, des objets de type E. Implements, stack, E. Comme ça. On va aller sauvegarder ça sur le bureau. Point Java. On enlève ça. Est-ce que ça compile? Non? Pourquoi pas? Pourquoi ça prend des méthodes? OK. Si je fais ça, ça compile-tu? Si je fais ça, puis je fais Java C, Array Stack, ça compile. Je dis maintenant implements stack de E. Il va me dire, tu prétends que tu rends compte, que tu remplis les exigences du contrat stack. Mais tu ne fournis pas d'implémentation pour les méthodes de cette interface-là. Je vous propose ma façon de travailler que j'aime bien, qui, à mon sens, marche bien. Quand je fais quelque chose comme ça, je fournis des implémentations incomplètes pour chacune des méthodes, de sorte que le code compile. Pour moi, c'est important qu'à tout moment, le code compile. Il peut être incomplet, mais il doit compiler. Public boolean is empty. Qu'est-ce que je dois faire pour que la méthode is empty soit une méthode acceptable pour le compilateur, sans l'implémenter? Oui? Il doit retourner quelque chose. Ça dit, isEmpty retourne quelque chose. Le compilateur va me taper sur les doigts tant que la méthode ne retourne pas quelque chose. Return. Je vais mettre true pour l'instant. Un peu dangereux. Si j'oublie d'implémenter cette méthode-là plus tard, je vais être dans le trouble. On se met un petit to-do. Implement. Donc, on se rappelle qu'il faudra l'implémenter. Ma méthode peak, public peak, qu'est-ce qu'il faut que ça retourne pour que ça soit valide? Quelque chose de type E. En fait, la référence d'un objet de type E. Est-ce qu'il y a une référence universelle qu'on pourrait utiliser? Non. Donc, retourne nul. Je retourne une valeur spéciale qui dit « je ne pointe pas vers un objet ». Mais en faisant ça, j'ai rendu le compilateur heureux. Il va me permettre de compiler ce truc-là. Vous aurez compris que je vais faire la même chose pour « pop ». On va aller voler tout ça ici, puis on va le mettre là, comme ça. Puis il nous reste public, ça. Est-ce que j'ai besoin de retourner quelque chose? Non, puisque c'est void. Hey, vous êtes super bon. Est-ce que ça compile? Ça compile? Hey, bravo, ça compile. Fait que, moi, c'est comme ça que j'aime développer. J'ai mon interface, oups, qui est là. Mauvaise idée. Est-ce que je suis capable de remettre ça là? Hey, bravo. J'ai mon interface, j'ai un test, j'ai ma classe que je suis en train de développer. Est-ce que je pourrais dire maintenant... S est égal à new array stack integer
faire ça? Probablement. Il existe un constructeur par défaut. Il n'y a pas d'argument. Je l'ai utilisé donc ici. Ce qu'on peut mettre dans une référence S de type stack, c'est la référence d'un objet qui implémente cette interface-là. Contrôle satisfait. OK. Hey, on a déjà un bon bout de fait. On a fait des progrès. Quelles sont les variables d'instance pour cette pile-là? Je vais créer pile 1, pile 2, pile 3. Chacune des piles doit sauvegarder des éléments. Je peux dire S1.push, S2.push, S3.push. Chacune d'elles doit sauvegarder des éléments. Qu'est-ce que vous me proposez qui pourrait bien aller? Oui. Un tableau de type E. C'est une variable d'instance. Chaque pile doit mémoriser des éléments. C'est public ou private? Private. Vous êtes bon. Vous ne voulez pas les perdre, hein, vos points. Private E, comme ça. J'aime bien l'appeler elems. C'est elem au pluriel. Donc, il y en a plusieurs. Est-ce que j'ai maintenant un tableau d'objets de type E? Avec ce que j'ai ici. Là. Est-ce que ça, j'ai un tableau d'objets de type E? Non. J'ai déclaré une référence. Elle est nulle pour l'instant. Je peux l'utiliser pour pointer vers un tableau d'éléments, mais pour l'instant, je n'ai pas de tableau. Meilleur endroit pour créer le tableau. Excusez-moi, si on écrivait juste E et L, est-ce que ce serait un problème? Juste ça, là? Oui, sans le private. Bien, si tu ne mets pas private, ici, il y a plusieurs choses. Ici, tu n'auras jamais un boulot parce que tu es en train de créer des choses qui sont vraiment désastreuses dans l'industrie. Tu es en train de violer les bons principes d'encapsulation. Tu permets à d'autres programmeurs de l'extérieur d'ajouter, de jouer avec cette variable-là. C'est vraiment pas une bonne pratique. En fait, tu es bien mieux de ne pas avoir toute cette classe-là. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi de faire un beau paquet, d'encapsuler des choses si tu rends tout public? Tu dis, allez-y, vous voulez accéder aux variables? Ils sont là. Il faut quand même être un petit peu plus privé que ça. On garde nos variables bien cachées sous notre veston. Deuxième chose. Donc, ça, c'est toujours privé. Si tu me dis sans les parenthèses, OK. Parce que sans les parenthèses, là, on n'a plus un tableau. Là, on a référence vers un tableau. OK. Je pense qu'il y avait une suggestion pour le meilleur endroit pour créer le petit tableau. Oui. Constructeur. Alors, public. Un constructeur, ça retourne-tu quelque chose? Jamais. Array, stack, même nom. Ensuite. Elems égale, on le met comme en grand? Bien, peut-être ça pourrait être un paramètre. Int capacity new. Puis là, vous vous souvenez, quand on a parlé de pair, malheureusement, je ne peux pas faire ce qui est logique puis écrire new comme ça, capacity. Pour des questions de compatibilité avec les anciennes versions. Donc, il y a d'autres langages de programmation où ça serait possible, mais ce n'est pas possible en Java. Il me dit « Generic array creation is not possible ». On ne peut pas faire ça. La solution qui existe en Java, c'est de dire « je vais utiliser le type
le plus général qui existe, objet, mais là, le compilateur va me dire, tu ne peux pas mettre la référence d'un tableau d'objet dans une variable référence de type E. Il y aurait possiblement des dangers. Objet est très général, E est spécifique. On ne peut pas aller de général à spécifique, on peut aller de spécifique dans général. Donc ça, ça ne marche pas. Il faut donc utiliser un forçage de type où on dit ceci. On dit, je sais, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas très élégant. Je suis un adulte, permets-moi de compiler cette chose-là. Mais dans ce cas-ci, c'est tellement pas élégant que le compilateur, il va dire, je le fais, mais je te donne un petit message pour te rappeler que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas d'une élégance, qui n'est pas élégant, point. OK? Évidemment, comme les programmeurs sont un petit peu arrogants ou... On ne veut pas se faire dire qu'on n'est pas bien bon. Suppress warnings. Uncheck. OK, une petite directive au compilateur. On dit, all right. Ce qui suit, c'est pas beau. Dis-moi le pas, je le sais. Yeah! Il nous le dit plus. OK. Fait que là, on a un tableau qui va être créé dans notre constructeur. Oui. Parce que ce n'est pas un énoncé. C'est une méta-information. C'est une directive au compilateur. Ça ne fait pas vraiment partie de mon programme. Je suis juste en train de dire au compilateur... Dans le bloc qui suit, je fais quelque chose de pas élégant. Je le sais, je l'assume. Dis-moi le pas. C'est une directive au compilateur. Donc, tu as vu, ça fonctionne. Il m'a pas dit qu'il me manquait un point virgule. Il n'a pas. Puis en plus, il m'a supprimé le message d'erreur que j'aimais pas. Le petit avertissement. OK. On va aller juste ici. Ah, je vous pose une colle. Elle est super difficile à déboguer, celle-là. Je fais ça. Est-ce que ça compile? Ça compile. Qu'est-ce qui est le problème? Derrière toi. C'est que le E, l'ERM dans la méthode, il est juste, il appartient seulement à la méthode, puis c'est pas le ERM de la variable d'essence. C'est ça. Il s'agit d'une variable locale qui n'existe que pour la durée du constructeur. J'ai jamais affecté à la variable d'instance LM quelque chose. C'est super difficile à déboguer ce machin-là parce que je regarde ça, je dis, je le vois, je le crée le tableau, je vais dans ma méthode push, j'essaie d'ajouter quelque chose, null pointer exception. Mais voyons donc comment ça c'est nul, je le crée, je le vois, super difficile. OK? OK, donc on ne fait pas ça. Évidemment, on ne crée pas une redéclaration de la variable LM. OK. Je vais aller du côté du iPad pour faire des petits dessins. On a donc ceci. Ça, c'est un objet de la classe ArrayStack. Un objet de la classe ArrayStack possède une seule variable d'instance, CLMs. Dans mon constructeur, je me suis créé un tableau. Puisque ce sont des
C'est un tableau pour sauvegarder des références d'objets. Initialement, chacune des cellules a la valeur nulle, ne pointe pas vers un objet. Ce que je veux savoir maintenant, c'est dans quel ordre je vais ajouter les éléments, puis est-ce que c'est important? Je vais être plus clair. En haut à droite, vous voyez une pile. Une pile abstraite, là, où on voit très, très bien que l'élément du dessus, c'est Charlie, puis l'élément du dessous, c'est Alpha. Charlie peut être en position 0 ou en position 2. Donc, je peux sauvegarder les éléments dans cet ordre-ci ou dans cet ordre-là. Est-ce que ça fait une différence au niveau de l'implémentation de mes programmes? Est-ce qu'il y en a une façon qui serait mieux que l'autre ou si, ben non, deux programmeurs pourraient avoir eu des idées différentes et l'efficacité des programmes résultants va être la même? Donc là, j'essaie d'ignorer certaines mains levées. Je suis toujours à la recherche d'aide. Ah, bravo! Bien, ce qu'on veut, ce qu'on garde à l'esprit, c'est que quand on va retirer quelque chose, c'est Charlie qui sort. À chaque fois, quand je fais pop, c'est Charlie qui doit sortir. Oui, c'est ça une pile. Est-ce que c'est forcément ça? Oui? Toi, tu dis qu'il faudrait le mettre ici. Non, je suis en train de dire qu'il faudrait le mettre à la fin. Ah, à la fin. Parce que si on le mettait au début, okay. En premier comme à gauche, oui. Si on voulait le ressortir, il faudrait ressortir tous les autres avant Alpha et Bravo first. Alors, ça pourrait prendre plus de temps, ça pourrait prendre un petit peu de temps. OK, donc. OK. Donc. Oui? On pourrait utiliser un FIFO. Pardon? Mais c'est, là, on est en train de l'implémenter. Il n'y a rien d'autre que des tableaux qui n'est, ça n'existe pas, un FIFO. C'est nous qui on l'implémente nous-mêmes. C'est ce qu'on fait présentement. Donc, les deux implémentations sont possibles. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question, au niveau de temps de calcul, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure? Un truc intéressant... Certains étudiants avec le devoir 2 me disaient leur implémentation pour afficher le graphe prend plusieurs minutes de calcul. La mienne prend des secondes. Ça s'affiche assez rapidement. Quand vous allez voir notre solution, il y a un endroit où on a fait des choix judicieux, puis on a du code qui est efficace. Donc ici, le truc, c'est si j'ai opté pour cette implémentation-là et que je souhaite que Charlie soit toujours ou que l'élément du dessus soit en position 0, l'opération pop va retirer ça. Je vais donc dire saved est égal à elements de 0. Ensuite, pour conserver l'idée que l'élément du dessus est toujours en position 0, je vais devoir copier les références et les déplacer. Donc, si j'ai quelques éléments, ça va bien, mais imaginez que j'ai 100 éléments. Je retire, je fais pop, je prends l'élément en position 1, je le mets à position 0. Je prends celui qui était à position 2, je le mets à position 1. Celui qui était à position 3, je le mets à position 2. Vous avez compris l'idée? Je vais faire ça pour les 100 éléments. Il y avait maintenant 1 million d'éléments. J'ai fait un pop. Je vais devoir bouger 1 million d'éléments. Il y avait 100 millions d'éléments. Il y a 100 millions d'éléments qui se sont déplacés pour un pop.
la vitesse d'exécution devient proportionnelle au nombre d'éléments présentement dans la structure de données. Peut-être qu'on peut s'en tirer autrement. Ici, puis il va falloir trouver une astuce. Si je voulais retirer l'élément du dessus, je pourrais retirer cet élément-là de la pile. Il y a un autre appel à pop, je retire celui-là. Il y a un autre élément à pop, je retire celui-là. On va trouver dans quelques secondes une façon d'ajouter et retirer des éléments qui va être indépendante du nombre d'éléments. On va dire « ajoute », on va dire « ah oui, je sais où le mettre, je le mets là ». Retire, ah, je sais, le dessus est là, je retire. Ce sera indépendant du nombre d'éléments dans la pile. C'est une super belle propriété à avoir. Donc, on va favoriser celle-ci, où on ajoute les éléments à la fin du tableau, vers la droite. J'efface mes petits dessins. Je trouve comment. Voyons. Bookmark. Outline. Ah, clear. OK. On peut peut-être aller, en fait, dans le code plutôt que de parler de choses trop abstraites. On va aller vers le concret. Comme ça. Et ça compile, tout est beau. Voilà. Pour qu'on voit bien. On va commencer par... Oups. Par push. On va amener ça vers le haut. Ici. Je veux ajouter un élément sur le dessus de la pile. Comment est-ce que je sais à quelle position ajouter un élément? Puis je vois deux solutions. Bien, j'en vois plusieurs. Il y en a au moins deux. Oui. C'est une excellente réponse. Donc, on va aller, ça va être la solution qu'on va implémenter. C'est de se dire, on va mémoriser la position du dessus. En orienté objet, si on veut mémoriser quelque chose, on a une variable d'instance. J'ai une variable d'instance supplémentaire qui me permet de me rappeler où est le dessus. Ça, ça sera la bonne solution. Il y a des étudiants, pour une raison quelconque, qui aiment trouver une solution alternative. Quelque chose comme int pause égale 0, while lms de pause est différent de nul. Pause, plus, plus. Petite boucle, je scanne mon tableau. Quand je trouve une cellule nulle, c'est l'endroit où je veux ajouter. Peut-être que je ferais lms de pause est égal à element, comme ça. Ça marche-tu? Question. Oui. Non, je veux, ici, ça c'est vraiment important. Dans les travaux, on va enlever des points si ce n'est pas comme ça. Pause est une variable que j'utilise localement comme index pour ma boucle. Ça n'appartient pas à l'état de la pile. C'est quelque chose que j'utilise pour faire une tâche bien précise. Je la déclare localement.
Y a-t-il quelque chose qui vous achale avec ça, que vous n'aimez pas? Bien, déjà, on vient de créer une dépendance au nombre d'éléments. Plus il y a d'éléments, plus c'est long. Il y avait 100 éléments, je parcours 100 cellules, je l'ajoute là. Il y avait 1 million d'éléments, je l'ajoute à la fin. On a créé une dépendance au nombre d'éléments. Si on peut l'éviter, on va le faire. Il y a un autre aspect qui est est moins important, mais qui est une subtilité qui vaut la peine d'être discutée. J'appelle ça du code fragile. Quand vous dépendez de quelque chose comme la cellule est nulle, bien, si j'ai oublié de mettre une valeur nulle dedans, too bad, votre code, il ne marche plus. Vous avez créé une solution qui n'est pas une solution très robuste. Si vous avez fait une connerie à quelque part et vous aviez oublié de remettre une valeur nulle dans la cellule, votre code ne fonctionne plus. Donc, c'est une solution qui est possible, mais pas souhaitable, à mon avis, surtout au niveau temps de calcul. Donc là, c'était peut-être la suggestion qu'on avait derrière et là-bas, c'était de mémoriser la position du dessus. Donc, private, int, je vais l'appeler top. Est-ce que top, vous souhaitez que ce soit la prochaine cellule libre ou la cellule où se trouve le dernier élément? Puis est-ce que ça fait une différence? Je suis à la recherche d'une main moins fréquemment utilisée. Gabriel? moi, je dis que la prochaine cellule libre parce que si on veut toujours comme checker où on a mis le dernier élément, encore une fois, ça revient à si on avait comme plusieurs millions d'éléments, il va falloir pour chacun de ces éléments-là faire comme deux étapes, ça revient à... OK, bien, il y a comme... Les deux choix sont valides, les deux choix sont rencontrés, puis les deux choix vont être aussi efficaces l'un que l'autre. Il va juste falloir déterminer lequel on choisit. Là. Il n'y a pas, c'est pas compliqué ou magique, mais il faut s'assurer qu'on ne mélange pas les deux implémentations. Il faut être consistant à travers le code. Si on choisit celle de Gabriel, c'est-à-dire que top, à tout moment, désigne la prochaine cellule libre. Lorsqu'on a une pile qui est vide, où est-ce que tu ajoutes le premier élément? À position 0. Donc, quand ta pile est nouvellement créée, top égale 0. C'est mon implémentation préférée parce que top me donne aussi le nombre d'éléments. Il y en a présentement 0. Puis, quand je vais ajouter quelque chose, je vais l'ajouter à la position 0. Est-ce que ça ici, mais ça marche pour l'instant? Donc, on ajoute à la position désignée par top. Initialement, ça ajoute à la position 0. Qu'est-ce qui manque pour compléter l'implémentation? Pardon? Il faut incrémenter top. Top est maintenant égal à top plus 1. Top est maintenant représente la prochaine cellule. On appelle push à nouveau. On ajoute à la position 1. On incrémente top. Top vaut 2. Top est toujours désigne la prochaine cellule. OK? Comme ça, donc. Je suis à la recherche d'un petit dessin. OK.
OK, donc, là, je ne suis justement pas dans... Ah oui, c'est ça. Donc, ici, on a les deux choix possibles. Dans un cas, top, il désigne la prochaine cellule. Dans l'autre cas, top, il désigne l'endroit où l'élément a été ajouté pour la dernière fois. Donc, nous, présentement, on a choisi celle-ci. Donc, si présentement, top est égal à 3, et s'il y a une référence S qui désigne cet objet-là, quand on fera S.push de delta, bien, c'est l'appel à la méthode push de l'objet désigné par S. C'est une méthode push qui est exécutée ici. On a dit ajoute à elems de top l'élément delta et incrémente la valeur de top. Comme ça, top pointe toujours vers la prochaine cellule vide. Ça vous va? On va poursuivre avec notre implémentation. Je pense que ça va. C'est relativement simple. Donc, si on veut avoir un peu d'espace, on va enlever ça. Ça. Ça ici. Si j'enlève ça, ben, on va se faire un peu d'espace. Comme ça, vous voyez tout. Is empty. Donc, celle-là, on s'attend que c'est correct. Quand la pile est vide, qu'est-ce qui est vrai? Oui? OK, donc, return top égale 0, tout simplement. On est pas mal bon. Peak. Ah, peak. Peak est intéressant. Qu'est-ce qui devrait être vrai avant d'exécuter peak? Oui? La pile n'est pas vide. Si on essaie de regarder, la pile était vide, ça va causer des soucis. Donc, précondition, la pile n'est pas vide. Éventuellement, on va avoir une façon de coder nos préconditions. Pour l'instant, on va se mettre des commentaires comme ça. Qu'est-ce que vous me proposez pour comme implémentation de peak? Ben donc, la précondition, on suppose qu'elle est vraie. Donc, maintenant, je veux implémenter peak. Je veux voir l'objet qui se trouve sur le dessus de la pile. Est-ce qu'il est en position top? Oui. Top moins 1. Donc, je pourrais dire value est égal à elems de top moins 1. Puis, je retourne value. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'une variable intermédiaire? Peut-être pas. Encore une fois, il faut faire attention. Les ongles, ça se casse facilement. Il ne faut pas taper trop de lignes de code. Tout simplement ça. Est-ce que ça compile tout ça? Ah, bien là, évidemment, il me rappelle que j'ai ma petite bêtise. Comme je ne veux pas qu'il me le rappelle tout le temps, on va rajouter « suppress warnings ». « Suppress », y a-tu deux P? Oui, hein? « Warnings unchecked ». OK. Ah, OK. Tout est beau. « Pop ». Pop, ça ressemble un peu à peak. Ouais.
on va retourner à l'usager une référence vers l'objet du déçu. Qu'est-ce qu'on fait en plus? On l'enlève. Donc, on peut repartir. Quelle est la précondition? Encore une fois, elle n'est pas. La pile n'est pas vide. Précondition. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'écrire la précondition. Vous prenez déjà une bonne habitude en le faisant. N'est pas vide. Évidemment, c'est pas très puissant comme mécanisme puisque c'est simplement un commentaire. Value. Ça devrait être la même chose qu'ici, là. Je ne vois pas pourquoi vous auriez changé d'idée. Return value. Qu'est-ce qui manque à mon code? Est-ce que ça, c'est suffisant? Juste là. Il faut retirer de la pile. Tu as une proposition? Ouais. OK, tu me dis elems de top moins 1 est égal à nul. Comme ça? Donc, on vient, il y avait une référence vers un objet. On a maintenant déposé la valeur nulle. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Il faut décrémenter top. Top qui représente aussi toujours le nombre d'éléments. Donc, top est égal à top moins 1. On a retiré l'élément. Est-ce que ça compile? Ça compile. On peut faire quelques tests, puis je vous reviens dans une seconde avec une petite colle. Alors, for int i égale à 0, i plus petit que 5, i plus plus, comme ça, s.push de new integer de i. Vous voyez, ça, c'est une utilisation des classes enveloppantes. J'aurais pas pu mettre un primitif dans la pile, puisque une pile, ça sert à sauvegarder des références. Les primitifs, on n'a pas de références. J'utilise donc les classes enveloppantes pour faire le travail. Ensuite, tant que s.isEmpty n'est pas vrai. Donc, négation de ça. SystemOut println s.pop. On s'attend à ce que les éléments vont sortir dans l'ordre inverse qu'on les a ajoutés. Java test. Ils sont dans l'ordre inverse. On a fait une bonne implémentation. Bravo. On a 100% à l'examen intra. Donc, je n'ai pas mis cette ligne-là. Je la remets. J'élimine cette ligne-là. Est-ce que ça compile? Est-ce que mon programme fonctionne? Mon programme fonctionne. C'est quoi le problème ici? Oui.
OK. Est-ce que ça va poser des problèmes? Il faudrait peut-être que j'affiche ici que ça semble fonctionner. Je vois que tu as un ordinateur Windows. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui ont des ordinateurs Windows, est-ce que vous avez essayé de laisser fonctionner votre ordinateur pendant plusieurs jours? Qu'est-ce qui se passe après plusieurs jours? Il est plus lent. Pourquoi est-ce qu'il est plus lent? Vous voyez, moi, j'avais des serveurs Sun Microsystems qui sont Oracle. Java est développé par Sun Microsystems. J'avais un de mes serveurs. Je me suis branché déçu un moment donné. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas, j'avais pas fait redémarrer l'ordinateur. Il roulait impec, sans problème. Mais Windows, pas tant que ça. Windows souffre très souvent de problèmes de fuite de mémoire. En anglais, on dit memory leaks. Qu'est-ce qu'une Java est un langage qui, en principe, fait un bon travail au niveau de la gestion de la mémoire, mais Java est pas, a pas une immunité pour ce qui est des fuites de mémoire. On va regarder, je vais essayer de me trouver un diagramme que je peux utiliser pour ça. Je pense que j'ai déjà... OK, donc, commençons en haut à gauche. On est clairement dans une implémentation où Top désigne toujours la prochaine cellule où on devrait ajouter quelque chose. On a fait un appel à la méthode POP. Ce qu'on a fait, c'est on a sauvegardé la référence de l'objet qui se trouve vers le dessus. On a décrémenté la valeur de top. Top est maintenant égal à 2. Si j'ajoutais des choses, ça veut dire tout simplement « ajoute à la position 2 ». Mais ce qu'on n'a pas fait ici, c'est on n'a pas mis une valeur nulle dans cette cellule-là. Il y a eu un autre appel à POP. On a donc sauvegardé la référence de l'objet se trouvant à top moins 1. Puis c'est ça qu'on a retourné. On avait aussi décrémenté la valeur de top. Donc, top désigne l'endroit, le prochain endroit où on ajouterait quelque chose. Top compte de façon logique, adéquate, le nombre d'éléments qui sont logiquement dans la structure de données. Il y en a un. Mais comme on n'a jamais rompu les liens entre le tableau et ces objets-là, le compilateur ne va jamais réutiliser ces espaces mémoire-là. C'est un problème. J'avais un tableau de taille 1 giga. Chacune des références était une référence vers une image graphique de ma caméra 50 mégapixels. Donc, j'ai 50 mégapixels, ça fait combien comme taille d'image? Je me souviens. Ça fait assez gros. j'ai utilisé des gigas de mémoire. Compilateur n'a jamais été en... J'ai dit le compilateur, je veux dire la machine Java virtuelle n'a jamais été en mesure de relâcher l'espace mémoire parce que pour le compilateur, pour la machine Java virtuelle, il regarde puis dit « Je vois qu'il existe une façon pour le programme d'accéder à l'objet Bravo.
c'est à partir de LM de 1, je peux y accéder. Donc, c'est vraiment là, si on nommait la ligne en question, comme ceci, on a une fuite de mémoire. Le ramasse-miettes, garbage collector en latin, ne peut pas faire son travail. Donc, ça ici, là, cette ligne-là, disons moins 2 à l'examen intra, si vous ne la mettez pas là, est vraiment importante. OK? On n'en veut pas des programmes qui ont des fuites de mémoire. OK. Fait que là, avec ça, on est bon. C'est juste ça, une implémentation de pile. Oui? Si, par exemple, on élimine la ligne que tu viens d'ajouter, puis on rajoute des éléments. Quand on rajoute des éléments, on est en train de renommer l'index? Quand on va remplacer, il va vraiment littéralement mettre dans la cellule mémoire la nouvelle référence. Donc là, le gestionnaire de mémoire pourrait récupérer la mémoire. Mais tu as quand même, tu avais une fuite de mémoire. Tant que tu n'as pas ajouté, il existait un lien. Donc, il y a vraiment, c'est un bug, ça. C'est pas, il n'y a pas de façon de s'en tirer, là. C'est un bug. C'est pas bon. OK. Hey, on a une implémentation complète d'une pile. À une chose près. OK, vous voyez, je vais diminuer ça un petit peu. C'est juste ça, l'implémentation d'une pile à l'aide d'un tableau. Quelque chose d'assez simple. Il y a juste un problème. Il y a un aspect des types abstraits de données, il y a un abstrait des piles, un aspect des piles que je n'ai pas bien réalisé. Quel est-il? Oui? La taille. Celle-ci a une taille fixe. Oui? Non, mais ça, pour bien traiter les situations d'erreur, il faut connaître le concept d'exception. Donc, j'attends trois cours pour introduire les exceptions, puis on viendra corriger ça. La taille est fixe. J'ai dit, voici une pile de taille 100. Comment est-ce qu'on peut réparer cette chose-là? Oui? OK. 1G. disons. Comme ça, on règle le problème. Hein? Est-ce que ça va compiler? Oups. Ça va tout marcher. C'est encore trop grand? OK. Long max value. Wow, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Ah, parce que je m'en sers comme index, là. OK. Je pense qu'on commence à comprendre qu'on n'est pas... Ah oui, capacité. Long. On va voir si on peut y arriver rapidement, là. C'est vraiment pas... C'est pas l'idée du siècle, là, moi. C'est ce que je suis en train de faire là, là. Voyons, Marcel. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Il aime vraiment pas ça. Non, il veut pas que j'utilise des longues. Là, ça marche pas. C'est ça, OK. Donc, on va mettre int
On va aller ici, integer max value. Il est toujours pas heureux. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé cette fois-là? Est-ce qu'il me reste un long dans mon truc? OK, il n'aime pas ça. Attendez. Java C array stack.java. OK. OK, ça marche. Il y a juste des petites choses qui restent. OK. Ouais, on a réussi à compiler notre affaire, là, mais c'est quoi le problème avec ça? Il y en a plusieurs, là, mais oui? Ben, c'est gros pour rien. C'est gros pour rien. Peut-être que je suis en train de programmer pour un implant cérébral qu'on peut utiliser aux examens, puis on n'avait pas trop de place pour de la mémoire. Oui, derrière? Ah, tu me proposes une solution, c'est ça? OK. Je n'étais pas tout à fait là encore. Donc, ça ici, il y a du gaspillage. OK, on s'entend là. Est-ce que ça va marcher toujours? Bien non, il y aura tout le temps le cas où j'en voulais un de plus. Ça ne marchera pas. Je dis, ouais, mais je vais te créer un tableau encore de cette grandeur-là. J'en veux un de plus. Il y a toujours un cas où ça ne va pas marcher. Donc, pas une bonne idée. Fait que on voudrait un tableau de taille dynamique. Il y a des langages de programmation où on fait juste ajouter à la fin, puis magiquement, ça fonctionne. Le tableau se redimensionne. Il n'y a pas de magie dans la vie, là. Pour implémenter ce mécanisme-là, il faut faire ce qu'on va faire ici. Qu'est-ce que tu allais me proposer comme solution? J'allais dire que si on arrive à la fin de la capacité de la liste, on crée une nouvelle liste avec capacité plus 1 pour pouvoir avoir un nouveau slot pour ajouter à chaque fois qu'on le fait. OK. OK. Donc ici, en Java, ce sont des tableaux. On n'est plus en Python, ce sont des tableaux. On va avoir quelque chose ici, disons, capacité initiale. Donc, on va le mettre privé, disons. Private, static, final, int, capacity, égal, 100. Au début, ici, on va faire capacity... Comme ça, ça compile-tu. Bravo. On vient ici. À quel endroit est-ce qu'on va détecter que le tableau est plein et qu'on en a besoin d'un plus grand? C'est dans push. On vient pour ajouter quelque chose. Donc, c'est une précondition à push. Qu'est-ce que tu me proposes? Est égal à elems.length. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un nouveau tableau. Donc, temp est égal à new. Ah, puis là, il faut faire encore notre machin qui n'est pas super élégant. Comme ça, elems.length, il faut que ce soit plus grand. Comment plus grand? Je vous en propose une première version. Plus capacity. Là, j'ai un nouveau tableau. Je fais quoi avec? C'est toi qui as proposé ça. J'ai un nouveau tableau, il est plus grand. Oui? Oui. Top ici, c'est notre index. C'est pas maison. Parce que ici, top compte le nombre d'éléments. Oui. Oui. On l'utilise
J'ai un tableau de taille 2. Top, au début vaut 0, j'ajoute à position 0. Top, j'ajoute. Maintenant, top vaut 1. Push, j'ajoute à la position 1, j'incrémente top, top vaut 2. Aux positions 0 et 1, il y a des éléments. Mon tableau est rempli à capacité, top vaut 2. 2, c'est la longueur du tableau. Donc, c'est le moment d'en avoir un plus grand. Je vous propose d'y ajouter un certain nombre constant de cellules. Chaque fois qu'il est plein, j'ai un nouveau tableau, il y a capacity plus de cellules. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui? Pour int i égale à 0, i plus petit que elems.length, gth, i plus plus, et hop, temp de i est égal à elems de i, comme ça. Qu'est-ce qui manque? On doit faire en sorte que elems pointe maintenant vers le nouveau tableau qui a été créé. On veut tellement faire ça souvent qu'il y a system array copy à partir de elems, position 0, dans temp, à partir de la position 0, elems, length. Si on est un petit peu paresseux, on peut aussi faire... Ben, en fait, c'est plus qu'être paresseux. C'est pas seulement qu'être paresseux ici. Donc, on va aller chercher ça. On va ajouter ça ici parce que on vient de créer un tableau. System avec une majuscule, évidemment. Est-ce que ça compile? Donc, il y a un petit avantage à utiliser System Array Copy plutôt que de faire une boucle. System Array Copy est implémenté dans la machine Java virtuelle. Super efficace. Si j'utilise une boucle, je suis en Java, un petit peu moins efficace. Donc, si vous êtes en train d'implémenter Assassin's Creed, Halo ou quelque chose comme ça, Array Copy est peut-être préférable. Puisqu'il me reste une petite minute, ici, j'ai un tableau qui croît par un nombre constant de cellules. Chaque fois qu'il est plein, j'en crée un nouveau. Il est plus grand par un certain nombre de cellules. Une autre stratégie, ça aurait été de multiplier sa taille par un certain facteur. Chaque fois qu'il est plein, je crée un tableau, il est 1,5 fois plus grand ou il est 2 fois plus grand. J'aurais aussi pu prendre cette approche-là. C'est quoi la différence? Bien, il y a une approche qui peut être plus conservatrice. Entre autres, j'aurais pu avoir un tableau d'une taille, un élément de plus. Là, je serais vraiment conservateur, je ne gaspille pas de mémoire. Mais je fais beaucoup de copies. C'est lent, mais c'est économe en mémoire. Si je double la capacité, je gaspille la mémoire, mais je sauve du temps de calcul, je n'ai pas à recopier. Donc, ça dépend de l'application spécifique qu'on a. Est-ce qu'on a des limitations sur la mémoire ou sur le temps de calcul? Ça vous va? OK. Bonne période d'études. Puis, je veux revoir mes piles, suivez le bon exemple ici, sinon le niveau de difficulté de l'intra en dépend.